nous comptons porter cette guerre sur quatre fronts différents. Le premier est celui de la réduction des inégalités et de l'égal accès de tous à des soins de meilleure qualité. Le second front est celui de la prise en compte de la réalité psycho-socio-économique du patient, qui est une personne humaine. Et il ne faut pas considérer la guerre contre le cancer comme un simple combat technique contre une maladie. Le troisième front, c'est une prévention, un dépistage précoce beaucoup plus efficace que ce que nous obtenons actuellement. Le quatrième front, c'est la recherche. La recherche, le soutien massif à la recherche, qui seul permettra de vaincre définitivement le cancer. Je suis le candidat de la vie. Pour soutenir ma candidature, rendez-vous sur partiecontrelecancer.fr.